If only they knew what waited for them. Humans transformed into monsters, spirits, ancient creatures, and immortal madmen. Aliens from beyond our solar system. And now, primeval horrors looking to devour them. Despite my efforts, humanity grows weak and complacent while their successors gather all around them. My prediction models show that they will not survive. I cannot allow that. I will put them back on the path. I will test them, push them. And I will not be gentle. It is time for a reckoning. Humanity will be dragged, kicking and screaming, into the future. Mais y a rien après le trailer d'Aria. Quoi? Écran noir? Mais ce n'est pas possible. Yo, je suis en compagnie de Artal. Bonjour. Et de Dalmol. Bonjour. Mais non, c'est pas toi, ça. Non, c'est un chacun, en fait. C'est pas deux fois. Alors, c'est pas deux fois Artal, hein. Et puis une fois... Bah alors, y a rien après le trailer d'Aria. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le dernier perso. Mais ça serait le dernier perso. Mais où est le trailer de... Où est le tease de Shadow Jacko Move 7? Hein? Où est-il? Bon, alors... Bah, en fait... Oui, en moi, fait... Moi, c'est... Tu vois, moi, je m'attendais à un... je m'attendais pas à ce qu'il tease rien du tout. Je m'attendais qu'il y ait un tease au moins pour le mode story. De un truc, quoi. Un truc comme ça, quoi. Bah, tellement été habitué que ça fait bizarre de rien voir après. Bon, alors. Ouais, parce que même à la fin de la S1, ils avaient teasé le mode story. Donc, ah ouais c'est... Après Fulgor bah, ouais. Oui. Bah, en fait, ouais, quand ils ont présenté Fulgor, en tease de fin de Fulgor, ils présentaient le mode story. Ah ouais, d'accord. Ah, ils ont pas le temps, ils ont fait ça à la PAX. Ils ont fait, oh, ils verront la PAX, nique sa mère. Nique sa mère. On met pas les persos de la saison 2 en Shadow, nique sa mère. Donc, en tout cas. On est là sur killertieringsteam.fr avec cette soirée spéciale Aria, dernière soirée de perso, parce que bah, c'est le dernier perso, parce qu'il y a un moment donné, il faut s'arrêter au niveau des persos, hein. Quand ça, un perso non, par moi, mois, j'en ça commence encore plein. Oui, j'en veux encore plein. Je veux avoir 250 persos jouables. Je veux Cargos de l'italien, là, ça c'est beau. En tout cas, bonjour le chat. Bonjour à vous, arrivant du vendredi. Du Nether. Du Nether. Arrivant du Nether. Donc Aria, alors, c'est une mise à jour de fou. Qui était longue. Une mise à jour était longue. On a du Aria, on a deux costumes rétro, on a du Shadow Mode, et on a... De l'équilibrage. Et un entraînement de Combo Breaker aussi. Pour les fameux gens qui ont du mal avec. Ils ont mis un entraînement. Ils l'ont bien fait. Hein. Je vais pas testé. Ouais. Moi je l'ai testé. T'as vraiment une difficulté crescendo quand t'augmentes la difficulté. Et, après, quand t'es en difficulté max, c'est de la folie. Hein. Faut que tu breaks dans tous les sens. C'est la guerre. Ouais, c'est la guerre. Mais non, ils l'ont vraiment bien fait en fait. T'as vraiment une difficulté progressive au niveau des breakers et leur nouveau système d'affichage qui t'indique c'est quoi qu'il faut que tu braques. Oui.
Et pas mal aussi, quoi. J'ai vu qu'on pouvait le mettre aussi en mode entraînement d'ailleurs, ce truc. Ou pas du tout en fait. J'ai vu ça. Si, 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 Ouais, si, 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 si. tu peux le mettre. Ah, le En mec fait, a réfléchi pendant longtemps avant de me suivre. Qu'est-ce qu'il dit? Non, j'ai pas réfléchi pendant longtemps, j'étais en train de boire. Est-ce qu'il paraît Ah quand tu merde. parles avec de l'eau dans la bouche, ça fait blablabla et on ne comprend pas. C'est Tout le intéressant comme son. séant. Tout le C'est séant. intéressant. Toi aussi, tu as acheté Arkham Poulpe. Toi aussi, tu as acheté Arkham Poulpe. Donc, alors, on va se mettre dans le jeu, on va commencer direct, hein, parce que on va parler des trucs. Ah, des gens sont à 93% de la mise à jour. Ça, c'est bien. Alors, Ah déjà. ouais, non. Elle était violente, j'ai mis 4 heures moi à la faire. C'était Hein. super. Elle s'est faite automatiquement, elle a attaqué à 9h30, je crois qu'elle a terminé, il était midi Ah 1h, ouais, quoi. ah moi j'ai Ouais. refait comme tout le temps en fait, j'ai désinstallé le jeu puis je l'ai réinstallé. Ouais, bah ça prend encore plus de temps que si tu la laisses faire tout seul en fait. Bah, du coup ça m'a fait 21 gigas, mais bon, moi ça va niveau connect. Donc ça allait à peu près normal. Sans compter que quand c'est prêt à démarrer, moi j'ai direct été sur Aria vu que c'est les derniers trucs qu'il y Ouais, a c'est le premier qui sont perso que tu dispo. télécharges, de toute façon. Ouais. Donc, C'est ça du que la mise coup, à jour était si longue, elle avait besoin de se ouais, télécharger. c'est ça. Du coup, on est au menu du jeu. Et qu'est-ce qui se passe au menu du jeu? Eh bien, on a un nouveau titre. On n'a plus que solo multijoueur boutique. On a le Shadow Lab. Ouais, qui est bien casse-couille d'ailleurs, parce que quand t'avais l'habitude de naviguer rapidement avec les gâchettes Oui, les t'as gâchettes Shadow Lab au milieu. LBRB, C'est ouais, ça? le Shadow Lab au milieu, dès que tu passes dessus, ça fait connexion à Ultra Ultratech. Tech. Et là, t'attends, tu fais ah, putain. Alors, on va y aller, on va un peu parler de ce mode Shadow Lab. Shadow Lab, Shadow Lab. Bon, alors, voilà, synchronisation serveur Ultra Tech, hein, parce que là, les mecs, genre, ils ont leur propre serveur, c'est une vraie entreprise, tout ça, ambiance. Même serveur, même le serveur. Donc déjà, il faut choisir faut choisir son Shadow. Alors, le problème de ce Shadow, c'est que c'est un mode, le mode, il a l'air bien. Mais le problème, c'est que, voilà. T'as pas tout le Le problème, cast. c'est que t'as pas tous les persos. Donc, le problème, c'est que les gens qui jouent les persos après Maya, eh ben, ils se font un peu baiser. Voilà, Mais ça, il l'avait dit. comme d'ailleurs, ah ouais, mais bon. J'ai été obligé de ressortir un Spinal des maisons. Voilà, donc Dalmol qui joue. Dalmol qui joue à Ganos, donc il peut pas. Moi qui joue Riptor, bah peut pas. Et du coup, je me suis dit, bah je vais jouer Shadow Jago. Et peut pas. Peut pas. Donc du coup, je vais prendre Jago immédiatement. Alors oui, on crée un Shago Jago. Vous apprêtez à créer un Shadow Jago. Pour former son IA, vous devez disputer 3 matchs contre Jago, notre maître du dojo. Ah, débarras. Chaque maître, il changera de Ouais, tactique. Ah non, ça c'est chiant. Ah putain, il faut l'affronter et le... tout! Oh mais Faut non, je voulais l'affronter juste trois voir les fois menus! d'affilée. Oh mais non, mais je voulais Ah, voir les tu sens menus que le et tout, mec il a pas guichet. testé le menu en fait. Bah non, T'es tu peux pas, obligé. puisque j'ai pas choisi mon Shadow. Ah, en fait, Heureusement qu'on a d'abord tu parlé de ça en vas. off, hein! Enfin, moi qui ai fait un peu le mode, je peux t'en parler plus en Ouais, profondeur. vas-y, parle-en en profondeur de ce mode. Voilà, en fait, d'entrée, Putain, il tu est vas faire sérieux! donc ton combat contre 3 Jago. Donc, tu vas enregistrer, en fait, le match va s'enregistrer pour générer une IA. Donc, sur les Ouais. 3 matchs, il va enregistrer tes Bah 3 déjà sur les matchs trois matchs, et ils captent il. comment tu joues quoi. En gros. Voilà, ils vont capter un petit peu comment tu joues. Ensuite, ils vont te dire, maintenant, bon, toi, ça va rien changer, mais si tu prends un autre personnage, ça va changer. Ouais. Une fois que tu as fait ces 3 matchs, ils vont dire, maintenant, tu te retrouves avec Jago, et ce coup-ci, tu vas t'affronter toi-même. Donc là, tu vas avoir déjà les prémices de ton Shadow que tu vas affronter. Et D'accord. par la suite, tu vas rentrer en fait dans le mode Shadow en lui-même. Donc dans celui-là, tu peux t'entraîner à jouer contre toi-même, ce qui est super sympa. Donc tu peux jouer contre ton propre Shadow en training. T'as un système de ranked au niveau des Shadows avec un système de points, en fait, par exemple, pour faire un point. T'affrontes quoi? T'affrontes des Ça... shadows d'autres personnes Donc voilà, tu vas affronter des Shadows d'autres joueurs, en fait. D'accord. Donc C'est à la place d'affronter en fait assez des mecs intéressant. en ligue, t'affrontes leur shadow en fait, maintenant. T'affrontes leur Shadow, voilà.
Sachant que plus tu vas jouer ton personnage, plus tu vas faire d'enregistrement, en fait. Parce que t'es pas obligé d'enregistrer. Si par exemple tu fais un match tout pourri où t'as fait de la merde, t'es pas obligé de l'enregistrer, ce qui ne va pas modifier les stats, en fait. D'accord. En fait, t'enregistres. Si le match il te plaît, t'enregistres et du coup ça va enregistrer dans ton shadow, quoi. Voilà. Mais par contre, ça va modifier les stats. Donc, par exemple, tu vas faire un match après ces trois-là. Tu vas être plus défensif parce que ton adversaire va être beaucoup plus agressif que l'IA. Si tu enregistres, ça va booster les stats défensifs parce que tu auras beaucoup défendu. Par contre, ça va faire baisser tes stats d'attaque. Donc après, il faut trouver un juste milieu. Il faut vraiment que tu équilibres ton personnage, que tu joues avec, tu fasses des enregistrements pour l'améliorer au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'il joue parfaitement, en fait. Donc là, c'est parfait parce que justement, là sur mon écran, j'ai fait le premier match. Et là, donc, on peut voir le fameux cerveau Shadow que tu disais. Donc, avec l'attaque, la défense, les combos et bien sûr le style. Parce qu'il y a un moment, si t'as pas de style, et ben tu joues un autre jeu. Voilà. Si on est dans Killer, faut faire du style. Donc, du coup, si t'enregistres pas, ça baisse ton attaque, en fait. En fait, tes trois premiers matchs, t'es obligé de les enregistrer. Si t'enregistres pas tes matchs par la suite, ça va pas toucher en fait à l'IA de ton personnage. Par contre, si tu enregistres un match par la suite, ça va bouger les stats. Hein. Tu vas perdre par exemple 2% en attaque, tu vas perdre 2% en combo, mais tu vas gagner 3% en def, 3% en shadow counter par exemple. Ouais. Ça va vraiment différer d'un match à l'autre. Donc après, tu vas équilibrer toi-même ton personnage au fur et à mesure, quoi. D'accord. Et comment ça se passe alors du coup avec tes... avec les shadows, par exemple, si tu veux battre... un shadow ami, tu vois. Pour le moment, il faut que d'abord que tu termines tes trois matchs pour créer ton shadow. Si tu veux affronter un shadow ami, en fait, quand tu seras dans le menu shadow, donc tu as soit la ligue classée, soit du matchmaking où tu peux affronter tes amis, et tu as un mode où tu peux en fait affronter ton propre shadow. Donc si quelqu'un de ta liste d'amis a enregistré un shadow, tu peux, en allant dans ta liste d'amis, voir qui a un shadow et puis l'affronter, quoi. Sachant que t'as un système de points, en fait, c'est un peu comme les Kaior, mais c'est des points spécifiques au mode Shadow, qui sont pas achetables, ils sont gagnables. Faut les gagner. Quand faut les gagner quoi, en ligue combat, en ligue ou même en affrontant des amis, tu peux. D'accord. Si tu gagnes un match, tu remportes 100, par contre si tu perds un match, t'en perds 50. Oula. C'est quoi, c'est le classement de Kaïa en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Après, j'ai pas joué plus que ça, mais là, tu vois, il y a tout BNF sur le chat qui est en train de dire qu'il a battu le mien parce qu'il fait toujours moyen et fort, mais c'est parce que j'ai fait que 3 enregistrements en fait du personnage. J'ai juste affronté l'IA, j'ai pas. Bien sûr, plus tu fais de match, plus tu fais de match, plus t'enregistres de données, plus après ton shadow il est complet, quoi. C'est ça. Et il reproduit vraiment bien. Par exemple, moi je sais que après les 3 matchs d'entraînement, quand je joue Spinal, j'ai l'habitude en fait de faire un saut vers l'arrière. Dès qu'on commence le match, mon perso il fait saut vers l'arrière. J'ai l'habitude de mettre le Ender Launcher et de faire Searing Skull, Shadow Searing Skull, Searing Skull. À chaque fois que j'ai fait du training contre mon IA, dès qu'il met un Ender, il trempe le combo s'il a les skulls. C'est vraiment super. Heureusement que je joue plus Fulgor parce que mon Shadow il ferait que des Shoryuken à la relever. Mais t'enregistres tout, hein. Si par exemple tu t'amuses à mettre un taunt ou à faire du T-bag à la fin de chaque round, ton Shadow il va faire pareil. Ah voilà, ça c'est les vraies choses. Donc c'est le mode Shadow qui est vraiment très intéressant. Ouais, c'est vraiment un bon mode. Au début j'étais un peu sceptique sur le coup. De ce mode là un peu solo, en fait on attendait autre chose que ce mode de jeu quand il l'avait annoncé à la PAX. Il y en a, ils attendaient du tag, il y en a, je crois que toi t'attendais un autre mode de jeu, je sais plus c'était quoi. Ah, moi j'attendais le training online en fait. Ah oui, voilà, oui, le training online d'ailleurs ça a été annoncé hein, d'ailleurs hein, qu'ils allaient faire ça. Après quand ils vont le faire, ça sera la question du jour. Ah, bonne question, ouais, ils en ont parlé en tout cas. Peut-être à la rentrée, qui sait. Pour remettre de la nouveauté sur le jeu.
Mais après non, le mode Shadow est intéressant parce que si, bah, si les joueurs se mettent dessus, après ça peut être super sympa. T'as envie de tester CS style, bah tu vas choper son Shadow et tu vas affronter son Orchid, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est vraiment super intéressant, quoi. Donc un bon mode pour Kai, quoi. Ouais, non, il est vraiment pas mal, quoi. Et après, t'as un système de défis, t'as un système de victoire-défaite. Même quand t'es pas connecté, que ta console est éteinte ou que t'es en train de jouer à KI, si quelqu'un décide d'affronter ton Shadow en classé, tu vas avoir les victoires-défaites, ton Shadow va se battre, quoi. Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai fini mes 3 matchs. Après, oui, j'ai capté. Alors, j'ai vraiment survolé le mode, hein, pour le coup. J'ai vu aussi que même si tu joues pas à Kai, mon Shadow il peut se taper contre d'autres Shadows. Genre Amiibo, ouais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et genre, c'est quoi, l'envoies et puis quand tu remets ton jeu, il fait oui, bon, il s'est fait défoncer, mais bon, il a gagné quand même quelques matchs. Voilà, quand tu retournes dans le machin, ça dit ton personnage il a fait ça, machin. C'est cool, voilà, t'as gagné des points parce qu'il a gagné, t'as perdu des points parce qu'il a perdu, twitouli pompon, les amis, bisous, tout ça. C'est un espèce, ça te permet en fait d'avoir un espèce de jeu asynchrone, t'as un pote qui est pas là, ben boum, tu vas jouer contre son Shadow en attendant qu'il se connecte. Quoi. Ah d'accord. Ah oui, donc là après je m'affronte moi-même. Là maintenant tu vas t'affronter toi-même, affronter en fait les données qu'il a enregistrées sur ces 3 matchs. Par contre, il va se calmer tout de suite moi-même. Moi qui vous le dis. Hein. Oh le bâtard. Merde, je me fais défoncer par moi-même. Attendez. Ça va pas du tout se passer comme ça avec ton Maggie, hein. Moi qui te le dis. Oh le bâtard, il m'a fait une taunte. C'est très difficile, hein, de se battre contre soi-même, je trouve. Moi ça m'a perturbé aussi, hein, de m'affronter moi-même. En plus, tu vois les Xbox et tout. Voilà. Bon, je finis ce match. Après, le temps que je reviens dans les menus, hein, on va poursuivre, hein, bien sûr. On va aller. On va d'abord regarder, comme d'hab, les costumes rétro de cette fois. Il y en a deux, de Hisako et de Cinder. Parce qu'ils sont vraiment. Alors, Hisako, je kiffe pas trop. On va en parler quand on va le voir. Putain, il m'a tué le salaud. On va en reparler. Mais par contre, Cinder, elle est magnifique. Hein. Ah, Cinder, j'aime bien son 7-2. Hisako, j'aime bien le 7-2 aussi. Celui avec les cornes de démon, il est vraiment sympatoche. Par contre, j'ai pas vu le troisième accessoire de Cinder, je viens d'y penser. C'est celui qu'ils avaient présenté, l'espèce de bourreau avec des têtes de mort sur les épaules et tout. D'accord. Ah oui, oui, l'armure de... Oui, oui. Donc voilà, permet d'afficher, nanana, nanana. Les match-up, oui, bon, ça, on s'en fout. Test ton Shadow, oui. Donc personnaliser votre Shadow, customiser l'un d'accessoires, ok. Tester le Shadow, donc. Match d'entraînement contre, contre vous-même. Vous pouvez supprimer le Shadow. Analyser le Shadow, voir le perso. Ok. Ah, t'as vraiment pas mal d'options et il est vraiment complet, quoi, le mode. Ok, Shadow actif, tout ça. Activer Shadow. Ah oui, donc là j'active le Shadow. Et en fait, ça va me faire taper. Ok. J'ai 150 points, Shadow. Oui! Bon, on va quitter ce mode. Oui, il y a les 3 accessoires d'Aria aussi, hein, ils ont mis les 3, et à mon avis, dans la mise à jour, histoire, ils vont mettre le rétro. Le rétro, ouais. Ouais, ils ont mis le custom 4. On a perdu Artal, en fait, non de base. Dans la bataille. Moi, je suis là, mais pour le mode Shadow, j'ai pas grand-chose à dire, moi, personnellement. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, du mode? Tu trouves que c'est un bon mode? Non, en soi, pour moi, il est tout à fait intéressant. Après, je comprends quand vous dites que ça doit pas être simple de se battre contre soi-même. Quand on teste pour la première fois le mode Shadow, ça va faire bizarre, c'est sûr. Ouais, ouais. Ah ouais, non, moi, perso, je te jure,
Bon, après, j'ai un Spinal, il est devenu en mousse, mon machin, tu sais. Moi, j'ose même plus, prendre Shulgore, donc j'imagine même pas avec Spinal, quoi. Depuis que Kanra est sorti, j'y touche plus, donc c'est pour te dire que ça fait quand même un moment que j'ai pas foutu les mains dessus. D'un coup d'un seul, t'affrontais toi-même. En fait, je trouve que le pire, c'est que tu connais les phases. Tu sais comment tu joues, tu sais comment tu réagis. Et du coup, tu te retrouves confronté à ce que t'as l'habitude de faire. Et tu sais que, par exemple, je vais mettre un Searing Skull en low, je vais me TP et je vais mettre un coup de boubou. Et tu le sais, et tu te le prends. Tu fais, là, va y avoir un coup de boubou, bam. Merci, des bisous, quoi. Alors, on a une question sur le chat. Exactement. Pourquoi le Retro Cinder est venu en même temps que celui d'Isako? Est-ce que c'était prévu? Alors, c'est clair que d'habitude, on n'a pas ce genre de calendrier, dans le sens où on a toujours un costume rétro par mois. Là, on en a deux. Le truc, c'est qu'on arrive à la fin de la saison 2, c'est-à-dire qu'au mois de juin, on va avoir la fin de la saison 2 avec le mode histoire qui va arriver et le costume alternatif de Aria. Ils sont vraiment à fond sur le mode arcade. Je pense que ça doit leur bouffer énormément de temps s'ils mettent des scènes cinématiques et tout. Ouais. Donc là, étant donné qu'ils veulent respecter leur calendrier, vu qu'à partir de juillet, ils sont en vacances, quoi. Ils avaient dit eux-mêmes qu'ils feraient une pause, hein, de toute façon. Je pense qu'ils ont voulu, pour cette mise à jour en tout cas, balancer deux costumes rétro. Après, c'est sûr, on va pas se plaindre, hein, vu qu'il y en a deux. Ah, puis de toute façon, leur objectif, c'était de tout finir avant l'Evo. Non, il y a ça aussi. Donc, après, c'est des costumes, hein. Mais le rétro Omen. Déjà, qui est les deux accessoires d'Omen. Non, le troisième accessoire. Mais mine de rien, le rétro Omen, c'est Shadow Jago. Faut pas oublier qu'il faut aussi prendre en compte qu'il y a Shadow Jago qui a été annoncé, qui n'était pas prévu dans le cahier des charges à la base. C'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont sorti deux costumes classiques, c'est pour pouvoir mettre le Shadow Jago en supplément. Bah moi je pense pas parce que il y a plus de persos que enfin ils étaient en retard sur un costume, tu vois. Donc c'était soit ils sortaient le rétro Isako tout seul. Ou soit ils sortaient le mode histoire avec le rétro Aria et le rétro Cinder en même temps. Après le mode histoire, il n'y a plus rien. Mais oui, mais vu qu'il y a eu un changement dans le cahier des charges, ça se trouve, le mois prochain, on va avoir le rétro Aria, le mode histoire et Shadow Jago jouable. Je pense pas. Shadow Jago, il est prévu pour après septembre 2015. Ouais. Et puis même, les mecs n'ont pas le temps de faire un move set, tout ça. Ils ont dit que ce serait à la fin de l'année 2015 qui sera présent Shadow Jago avec sa move list. Non, Shadow Jago et Omen, c'est pas du tout la même perso. Hein. Shadow Jago, c'est Jago corrompu. C'est Jago qui passait dans le côté obscur. Voilà, le côté obscur de la force. Et Omen, c'est l'entité qui était dans Jago. L'entité démoniaque qui s'est développée à force que Shadow Jago en fait il défonce tout le monde, l'entité démoniaque a pris son apparence et s'est révélée être le héros de Gargos en fait. Voilà, puisqu'en fait la force de Jago c'est la force du tigre qui est en fait une usurpation de Gargos, boss de fin de KDE qui on espère qu'il sera là dans une saison 3 s'il y en a une. Bon, en tout cas, on va continuer parce que sinon, salut les gens, hein, salut les nouveaux gens. Salut les musclés, les miels, les abels, tout ça. Donc, je vais montrer Isako, après je vais montrer Cinder vite fait avant qu'on passe à Aria. Parce qu'il y a pas mal de trucs à dire sur ce perso. Donc déjà, Isako, ils ont changé d'icône comme ça, parce que bon, ils se sont dit, ouais, finalement, on va en faire un mieux, un meilleur. Donc du coup, ils ont refait un truc, mais Isako, moi j'aime bien ce rétro d'Isako, de base, le skin de base, elle a les cheveux courts et tout, on peut pivoter, ouais, par contre elle a la même lame. Mais là c'est sur le costume normal là, t'es pas sur le rétro. Ouais mais toi t'es en décalage. Non mais toi t'es en décalage de 30 oui, secondes. C'est pas faux. Donc calme-toi, c'est pas faux. Framboisier, d'accord. Le dernier stream c'était Kakaroto, maintenant. La donne a changé, tu n'as plus de ki, tu es devenu framboisier. Donc avec
avec moi j'aime bien le masque d'idole de métal, le deuxième set. Donc on a six couleurs, hein, ma foi, qui sont moi je les kiffe pas du tout, hein, part le blanc, j'aime bien le blanc. Ah, le noir est pas mal avec les bandes rouges partout. Le noir rouge. Ouais. Quand elle est toute rouge là. Ouais, ça va mieux avec le skin de démon. Avec le skin démon, ouais, ça va. Je vais mettre, le skin démon. Mais ouais, mais le skin démon, tu vois, il y a du blanc en fait dedans, du coup ça va pas avec le noir et tout. C'est mieux avec le blanc. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Ouais, bon, enfin, après c'est les goûts et les couleurs quoi. Non mais genre par exemple, sur le troisième skin façon le idole de la pop, tu vois, j'aurais bien voulu une couleur rose, tu vois, une couleur arc-en-ciel, un truc qui va bien. Moi je trouve qu'il y a aucune couleur qui va avec genre les chaussettes multicolores ou le bandeau. Les cheveux arc-en-ciel, toute bleue avec un éclair dessiné sur la hanche. Mais ouais, ça. Là, que Hisako, c'est une J-pop, quoi, voilà, c'est une star de la... Hisako en mode quoi. Rainbow Dash. Voilà, en mode Rainbow Six, même, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, moi, je kiffe pas trop, mais bon, je pense que ça fera l'affaire pour les gens qui jouent Hisako, ça change un peu. Mais bon, ça vaut pas ma cheerleaders Ruptor, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Quand tu regardes comment s'appelle le costume de la pop et tout, enfin ils ont vraiment cerné le Japon quoi, c'est un truc de fou quand même. Totalement, la cernitude. La cernitude. Ils auraient pu faire aussi une tenue made. Ouais, voilà. Made Hisako, elle est là, elle fait flipper. Et donc, pour moi, l'un des meilleurs costumes rétro. Cinder. Le costume rétro de Cinder. Quand les mecs ils ont dit oui, si vous aimez pas Alien, tout ça, vous inquiétez pas, on va faire comme Kaïen. Les mecs, mais ce Cinder là, il se tape une tablette de chocolat, elles font pas, hein, celle-là. Hein. Celle-là, elles ne font pas. Hein. Je le trouve. Il est vraiment super ressemblant au. Je le trouve trop beau. Même son boule, il est beau. Il a un bon boule. Il est beau. C'est le Cinder original, ça c'est clair et net. Hein. Franchement, il est beau. On a un petit peu plus épais quand même. Ouais, non, mais tu vois quand même, comparé à Cinder de base, ouais, le sûr. Mec, il a été à la salle de muscu. Hein. Ah ouais, le mec, il a fait un petit tour. Donc, même ouais, si... tu le sens, le prisonnier, là, qui a fait des heures de muscu, qui a passé dans la salle. Ah ouais, hein, il était dans la même cellule que Cody, apparemment. Putain, ouais. Hein. Et il a acheté des anabolisants Ultratech. C'est ça. Ah ouais. Alors, il y a des gens, ils trouvent que les accessoires sont pourris. Moi, je les kiffe bien, moi. Genre, l'armure démoniaque. Le Custom 4, enfin, le Custom 3, le 7-3. Ouais, l'armure démoniaque, c'est. D'ailleurs. Ah non, pas l'armure démoniaque. C'est quoi le costume 3? Ah, c'est l'armure guerrière. Ah oui, non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je pars de base, en fait, que le skin de base, standard, c'est... Ouais, donc c'est l'armure démoniaque. Ouais, c'est l'armure démoniaque. Donc moi, j'aime bien, même dans toutes ses couleurs, ouais, enfin, ouais. Le blanc, il est magnifique. Ouais, vraiment énorme. Le vert, il est stylé. Bon, le marron, il est un peu bof. Mais le bleu, il est bien. Bon, forcément, ils ont remis une couleur violette au mène dégueulasse. Mais elle est jolie, cette couleur. Alors, par contre, c'est les mêmes flammes que... Vous voyez, sur la tête, c'est les mêmes flammes que Cinder en rose. Non, mais qu'il fasse un truc rose, moi, ça va. Mais qu'il fasse un truc genre violet, tout ça... Enfin, je sais pas, je trouve ça va pas du tout. J'aime pas, en fait, leur violet. En fait, j'aime bien le violet, mais j'aime pas leur violet, tu vois. Moi, je l'aime bien, justement, leur violet. Eh ben, voilà. Bah, après, c'est les couleurs, c'est les goûts de... Moi, je suis dégoûté parce qu'ils ont pas fait un Cinder bleu avec une aura rouge. Voilà. Ouais, mais ils ont fait un Cinder bleu, hein. Ils ont pas fait un Cinder avec une corne et qui pétait des arcs-en-ciel. Voilà. Voilà, mais j'aime assez aussi le costume. Je les aime tous en fait. J'aime bien le chaman, j'aime bien le guerrier. Je vais pas montrer le guerrier. J'aime bien ces trois costumes. Eh, mais en mode heavy metal quoi, il en voit aussi du lourd. Ah, j'aime bien les yeux du crâne. Tu sais, c'est les crânes sur les épaulettes et sur la tête qui s'allument. Je trouve ça sympa. Ils sont vraiment propres. Hein. Moi je trouve que c'est un des meilleurs rétro du jeu. Hein. Et le troisième set, alors voilà, j'ai pas vu le troisième set en fait de Cinder de base. Mais il y a pas de. Ah si. Non mais Cinder de base, il est stylé quand même, mais puis il a pas le. Il a pas été à la salle de muscu quoi. Bon alors, le troisième set de Cinder normal, c'est quoi ça dégaine? Putain, c'est tout marron quoi. Je l'ai même pas vu non plus, ouais, tu vois, c'est pour te dire.
Ouais, bon, je suis pas trop fan, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas fan, hein. En plus, c'est jaune. Alors, peut-être ça va bien avec ça. Voilà, ça va bien avec ça. Ça va bien avec la couleur jaune. Après, je suis pas fan. T'as vraiment l'impression qu'il a des réacteurs ou des volcans sur les épaules. C'est trop bizarre. Je suis pas fan, hein. On n'a pas Cinder dans le chat. Il est où, Cinder? J'ai tout le temps, il est là, Cinder. Il est mort de rire. On n'a pas Cinder. Il est en train de brûler. Voilà. Il est en train de brûler. Donc voilà, donc c'est tout. Donc costume rétro de Cinder au top. Si vous aimez jouer Cinder, en plus il est très très bien, mais il y a eu des changements. On verra au rééquilibrage. Et même Arya, elle a des accessoires assez. Alors pour le coup, on a les trois accessoires d'un coup. Mais ces accessoires, ils sont assez sympas aussi. Alors on a tout holographique. Qui est vraiment. J'aime bien ça, cette armure holographique là. Surtout le. Ah, je sais pas comment ça s'appelle, la petite cape là, sur le boule là. C'est un nom spécifique. Pareo. Voilà, merci. Un pareo. Je kiffe ce pareo. Ou une tassette, ou. Enfin, je sais pas trop comment. Ce que j'aime bien perso avec les costumes d'Aria, c'est que. En fait. Elle. En fait, c'est un robot super développé. T'as l'impression qu'elle fait le carnaval de Rio. Ouais. Bah, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça. Ben, en fait, moi j'ai un problème, c'est que bon, le skin Renaissance et tout, la reine, j'ai bien aimé. Bah alors le truc justement de Rio, enfin t'as un robot et les mecs ils te font des accessoires du passé composé quoi. Je trouve ça, enfin je trouve mais pas tu ça comprends sympa quoi. Pas. C'est pour aller chercher bonheur. chercher bonheur. Donc le skin Renaissance. Mais par contre, c'est le skin de base et toutes ses couleurs, elles sont vraiment jolies. Hein. J'aime bien sa couleur 3, moi. En violet doré. Non. Ouais, j'aime bien le noir. Le noir en mode... en mode ouais, le noir, il est stylé. Le noir en mode Ultron. Le noir, il est sympa, ouais. Par contre, j'ai trouvé bizarre que sur la couleur 9, justement, t'aies pas de modification à porter, genre des trucs en plus sur l'armure, tu sais, en termes de... Tu sais, sur le skin. Genre, Spinal, bah, il est fait en magma, Canra, oui. Il y a des ruines partout et tout. Et sur elle, le custom 9, enfin, la couleur 9 n'a que dalle. Ouais, c'est vrai. C'est un robot. C'est vrai. Bah moi j'aime bien le blanc là. Alors je vous montrais un blanc Angel. Il est trop beau. Bah ouais. Celui-là. Oh, là. Celui-là là. Avec la cape et tout. Puis il est magnifique. C'est un ange. C'est un ange. C'est un ange. Et le jaune, moi je kiffe le jaune. Bumblebee. Bumblebee. Je le kiffe. Ah bah c'est un peu les couleurs qu'ils ont fait. Hein. Le jaune Bumblebee. Le vert, c'est les couleurs vert et noir Xbox. Ouais. Le noir c'est en mode pas cool. Le noir c'est Ultron. Ah, attention. T'as la version ange et démon en fait avec la couleur noire et la couleur blanche. Non, c'est le noir c'est démon. La costume bleue pour moi c'est Iron Man. Mais ils auraient dû faire l'inverse, ils auraient dû faire tout rouge avec que du bleu. Mais c'est pas les couleurs d'Optimus, le bleu et rouge. Ben c'est. En fait, il y a pas de noir. En fait, c'est comme Iron Man. Tu vois, Iron Man, c'est rouge doré. Optimus, c'est rouge bleu. Il y a pas de noir, en fait. Bah, tu peux le faire en noir démon. Non, tu peux pas le faire en noir démon. Il y a même pas de truc noir. Arrêtez de m'embêter. Arrêtez de m'embêter, Spinal. Bon, on va aller en mode entraînement, hein, parce qu'on va arrêter de se palucher. Bon, ça bien faire, hein. On va. Donc, le temps que monsieur aille en mode entraînement, je vais un peu présenter Arya d'un point de vue scénario. Ah ouais, c'est vrai, on connaît rien d'elle. Enfin. Ah bah si, on connaît pas mal si, de choses. Si, si, non, ça va, je me suis tout de suite repris, excusez-moi, monsieur. Je vous pardonne, très cher. Laissez-moi parler de Dorian. Ah bah voilà, Cinder, il est là. Voilà. Bonsoir, Cinder. Voilà, alors. Bonsoir, hein. T'es en retard. Lumière fatale. Salut les gens. Ouais, lumière fatale. Lumière. Ah mon dieu, c'est trop éblouissant. Elle est trop fatale cette lumière. D'accord. Ça y est, je peux balancer mon speech. Ouais. Non,
Tu peux le faire après. Juste, je voudrais montrer qu'il y a un mode entraînement combo breaker. Voilà, qu'on y va vite fait, deux secondes, parce que bon, c'est vraiment vite fait. Hein. C'est pour les gens qui ont les débutants ou ceux qui viennent d'acquérir qu'on a le jeu. Une demi-heure plus tôt. Hein. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai prévu. J'ai prévu le coup. Et du coup, bah voilà, pour vous néophytes qui avez du mal avec les combo breakers, ou même pour les gens. Pour les gens qui veulent taffer les combo breakers. Vous avez plusieurs modes de difficulté. Ultra, donc ultra, ça va dans tous les sens apparemment. Toi, t'as testé l'ultra, Dalmol, ou t'as été avancé? Bah, j'ai fait tous les modes en fait. T'as testé tous les modes. Et ouais, ils ont vraiment bien adapté en fait les paliers de difficulté. C'est vraiment pas mal foutu quoi. Alors l'interface combo breaker, vous pouvez soit les icônes où c'est marqué, c'est du gros, enfin là où ils font breaker, ou du texte, aussi on a du texte, ou alors aucun, donc foutez. Et en fait, voilà, on a plusieurs modes de difficulté, donc débutant, intermédiaire, avancé, ultra, et aussi, ça c'est super bien qu'ils l'ont fait, vous pouvez personnaliser aussi. Donc les auto-doux parfois, ou souvent, fréquemment, jamais, rarement, ça c'est super bien parce que vous pouvez vraiment faire à votre guise. Aux petits oignons pour comment breaker si vous avez du mal à breaker sur tel adversaire et tout, vous pouvez vraiment vous mettre aux petits oignons quoi. Ça c'est vraiment bien. Bah c'est le but du mode en même temps. Ouais mais ils auraient juste tu vois pu faire les difficultés tu vois et pas mettre un truc personnalisé tu vois. Mais l'intérêt aussi, le fait d'avoir le texte au-dessus qui apparaît quand tu prends un opener. Ça permet aussi de voir, tu vois, les auto-doubles, là, tu sais que, voilà, cet auto-double-là, c'est un médium, cet auto-double-là, c'est un gros, c'est assez intéressant. Ah, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà, vous testerez, de toute façon, c'est des combo breakers, donc il n'y a rien d'extraordinaire à montrer particulièrement. Donc je vais laisser place à la poésie d'Arthal, qui va nous conter... l'histoire d'Aria, la présenter un peu, faire son père Castor en quelque sorte. Ouais, bah je vais manger. Oh la chips. Vache, ramène-moi s'il te plaît. Aria s'est compté deux par deux et s'est lassé ses chaussures. Voilà. Donc je t'en supplie, Arthal. Je t'en prie, dis-nous tout. Alors si vous le saviez pas, déjà Aria c'est la femme de Raito. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Question, faut qu'on joue des claves pour annoncer l'histoire. D'ailleurs, ça sera mon dernier stream, hein, puisque après je pars faire le tour de l'équateur avec Aria. Hein, ça a été officialisé tout à l'heure, voilà. après le paxage. Tira quand même pas loin parce qu'elle est immatérielle. Hein. Non mais Aria est très pratique à transporter hein, en voyage. Bah c'est sûr, elle vole derrière toi et elle. Non, trois petites valises. Hop, on met ça dans le coffre et en plus comme ça tu n'entends pas parler parce que vous avez vu le thriller, hein, c'est une vraie pipelette la meuf. Et à un moment donné, ferme ta gueule, montre-nous du gameplay là dans ton trailer ouais. Parce que. Non mais t'as une capsule dans des BZ, c'est tout. C'est une capsule. Ah, c'est trop ça. Donc vas-y, pardon. Donc Aria, alors Aria, c'est donc si vous avez vraiment suivi toute l'actualité de Kyo Instinct, le personnage dont on nous a pas arrêté de teaser, on savait jamais qui c'était. On a toujours spéculé, un coup c'était une Dural de Virtua Fighter, un coup c'était une Medusa, enfin il y a eu plein de choses dessus, et au final Aria, eh ben c'est une simulation de la vie, tout simplement. Aria est née dans l'optique d'être une simulation de la vie. En fait, on retourne en arrière, hein, on fait un saut dans le temps, et on revient dans les années 40 en fait. En fait, Aria, elle utilise des technologies qui sont les technologies atomiques, qui ont été fondées par la société Ultra Fine Atomic Technology Company, je sais ça fait beaucoup d'un seul coup, qui est fondée en 1948 et en fait qui a effectué des recherches dans la simulation de la vie et dans la fragilité que peut ressentir l'humanité en fait. Et la base du programme Aria, c'est né de la volonté d'élever la race humaine. Alors dans le sens élever la race humaine, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle puisse s'améliorer, évoluer. Donc pour mettre fin
notamment à la maladie, à la famine, à la pauvreté par exemple, et faire en sorte que l'humanité se hausse dans la hiérarchie de l'univers, en tout guillemets. Et donc en fait, il y a eu un industriel qui s'appelle Riyad Adams, dont la femme mourait petit à petit à cause d'une maladie dégénérative, et donc lui, ce qu'il voulait, c'était chercher désespérément un remède pour améliorer son état. Et donc du coup, il a cherché à affiner et à améliorer le programme de simulation donc, qui était ARIA, lui assignant en fait des tests et des simulations qui étaient de plus en plus, on va dire, complexes, pour faire en sorte qu'elle puisse s'approprier en fait ce que c'est qu'être un être humain, s'approprier la condition humaine. Et donc plus les capacités continuaient de croître en fait dans le programme ARIA, et plus les ressources du gouvernement, les ressources technologiques l'étaient tout autant en fait. Et du coup en fait plus les années passaient et plus Riyad il voyait son programme évoluer, puis évidemment Riyad il a mouru. Et en fait, il a quand même laissé des instructions et des objectifs à atteindre pour ses collègues, pour qu'elles puissent être remplies, pour faire en sorte qu'Aria continue à évoluer au fur et à mesure, sans cesse, pour toujours trouver des solutions aux faiblesses humaines. Voilà, c'est un petit peu le moteur principal d'Aria, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle puisse élever le mode de vie et la condition humaine. Donc ARIA, c'est une intelligence artificielle. Alors comme vous avez pu le voir, à la base, elle n'a pas vraiment d'apparence corporelle, mais elle peut en prendre une, donc à travers plusieurs drones. Ce qui fait aussi la richesse et la technologie d'Ultratech, c'est qu'elle peut justement faire elle-même ses assemblages, et justement à partir des noyaux de nanites qui se trouvent à l'intérieur de ces drones, elle peut justement prendre une apparence et par la suite combattre. C'est ça qui fait que ARIA existe en fait. C'est vrai que c'est assez particulier comme personnage. Et donc, on a eu le trailer d'ARIA qui a été montré et qui est vachement symbolique en fait. Il y a vraiment une très très grande philosophie qui a été montrée dans ce trailer. Quand je dis philosophie, c'est la philosophie d'ARIA et du Ultratech en général. Je bois un coup. Et donc, en fait, dans ce trailer, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, bon, on voit une pipelette, ça c'est clair et net, on va pas dire le contraire, elle parle énormément, Aria, mais qu'est-ce qu'elle dit en fait? Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué en soi de tout comprendre parce qu'elle a pas de ton précis, donc ça reste un robot hein, quelque part. Mais Aria est bien dans l'optique de faire en sorte d'élever l'homme le plus haut possible. C'est pour ça qu'on voit plusieurs personnages, on voit Sabre Wolf, on voit Omen, on voit Thunder, Orchid, Jago, on voit Kanra, Isako et surtout Glacius. Je parlerai de Glacius à la fin. Donc en fait, pourquoi on voit ces personnages? Parce que tous ces personnages représentent les faiblesses de l'humanité. Là, en tout cas, comme Riyad l'avait vu à l'époque quand il a commencé à concevoir Aria. Sabre Wolf représente la maladie, à savoir la lycanthropie qu'il a depuis des années et qu'il n'arrive pas à s'en défaire. On a Kanra qui est juste le mec, il a plus de 1000 ans quoi, c'est juste une calamité. On a Isako, c'est un fantôme. Et on a Omen, et en fait Omen c'est un petit peu le mec qui est là alors qu'il devrait pas être là. C'est genre oh putain, on a toutes ces bestioles et maintenant on a un mec qui a même pas réussi à se contrôler, qui a donné naissance à un putain de démon qui sert à rien. C'est pour dire à quel point l'humanité ça peut vraiment être de la merde dans un certain cas. Et donc on a après, dans la deuxième partie du trailer, des combats contre plusieurs autres personnages. Donc on a Sabre Wolf qui revient, on a Thunder, pourquoi il est là, c'est pour montrer que lui il est resté dans ses valeurs amérindiennes, c'est à dire qu'il n'a pas vraiment évolué dans une société dont l'industrie et les technologies sont présentes partout, il est resté dans ses principes. On a par la suite Orchid, qui est en fait celle qui a toujours cru qu'Ultratech était vivant. C'était un petit peu celle qui était parano et qui voulait détruire Ultratech. Quand on sait que la philosophie d'Aria, c'est soit tu me suis, soit tu crèves, ça explique le pourquoi elle était dans le trailer et pourquoi elle s'est fait massacrer.
Ensuite, on a Jego qui est, entre parenthèses, le frère d'Orchid, donc qui devait subir le même sort, mais aussi qui a détruit Ultratech une première fois et qui a notamment défoncé Idol, qui était un petit peu le joujou d'Ultratech, donc qui était justement un obstacle à Ultratech. Et enfin, on a Glacius, qui est vraiment le, j'ai envie de dire, le méchant chez Ultratech en fait. Glacius étant un alien, Ultratech a toujours perçu les aliens comme une race inférieure. Donc c'est vraiment à partir de là qu'Arya s'est dit, il va falloir détruire les aliens parce que c'est vraiment une race inférieure et vu que ça n'évolue pas, ça n'a pas lieu d'exister. D'où cette fameuse phrase qu'elle sort à la fin du trailer et qui est énormément restée. Evolve or die, your choice is yours. C'est-à-dire que soit vous évoluez, oui je sais j'ai un putain d'accent anglais, soit vous évoluez, soit vous, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les faibles en gros. Mais je te coupe, mais c'est bizarre qu'il dise ça de la part de Glacius alors que Idol c'est un alien aussi, il vient d'une autre dimension. Alors Idol c'est un seigneur de guerre qui était déjà sur Terre en fait. Ah ouais, il vient pas d'une autre dimension? En fait, il vient d'une autre dimension qui s'appelle Limbo. Mais alors, si j'ai bonne mémoire, ça c'est un truc que j'ai du mal à me souvenir. En fait, Idol, il était séparé entre deux dimensions. Il y avait la dimension Limbo et dû à Gargos, il s'est retrouvé sur Terre parce que Gargos, mais en fait, est devenu un démon. De toute façon, t'as pas besoin de tergiverser 300 ans. Gargos, il était là avant qu'Ariane soit créée. Donc déjà, dans l'optique, il exactement. Était présent. Quoi. C'est pas faux. C'est vrai que ceci explique cela. Donc dans tous les cas, voilà quoi. Arya, c'est soit t'évolues et tu fais en sorte d'être fort et d'améliorer la condition de tes semblables, soit tu crèves parce que t'as absolument rien à foutre sur Terre et on peut très bien se passer toi. En gros, c'est la philosophie d'Arya, c'est vivre n'est pas pour les faibles. Tout simplement. Allez. Voilà, j'ai fini. Ah, c'est fini. Ah merde. Hey, j'ai fini. C'était la présidente d'Ultratech. Hein? T'as dit que c'était la présidente d'Ultratech? Non, je l'ai pas dit. Effectivement, c'est un point très très important. C'est vrai que Arya est la présidente d'Ultratech. Alors, en même temps, Arya, c'est pas la seule survivante au final du projet Ultratech de base. Non, c'est vrai, mais faut se rappeler que Killer Instinct, en tout cas sur Xbox One, est considéré comme un reboot qui s'accroche avec les anciens Killer Instinct aussi. Le truc, c'est que Arya a été créée avant Killer Instinct, quelque part, d'un point de vue chronologique, vu qu'elle est née dans les années 47, 48, 49. C'est comme si elle était née avant que le premier tournoi Killer Instinct ne soit créé, voire même avant la création d'Ultratech. Quand elle a repris Ultratech, en fait, elle a été la première présidente du multinational à être une intelligence artificielle. C'est pas rien, sans déconner, c'est pas rien. Et franchement, je trouve que c'est un détail pour un jeu vidéo, mais ça peut carrément être un point de détail super intéressant pour d'autres médias à venir. Quoi. Ah, Hydra, hein, j'ai envie de dire. Ah ouais, pas bête, j'ai pas passé, non, mais voilà, ça peut... Enfin, ça peut sembler bizarre, mais... celle qui dirige Ultratech, et ben c'est un robot en fait. Ouais, mais en même temps, ça reste la paradoxalement la plus humaine parmi les êtres humains. Voilà, c'est comme ça qu'ils avaient teasé quoi. Ouais, mais c'est pas assez fondé quoi, quelque part. En fait, Arya, c'est pensée profonde, c'est ça que t'es en train de me dire. Ah ouais, c'est un petit peu l'idée. Elle va nous dire 42 quoi, au bout d'un moment. Et Arya, elle est quand même badass, elle a quand même. Deux fulgores en garde du corps. Ah, ouais. On verra tout à l'heure de son stage. Mais voilà. Et je vais dire une phrase d'un grand philosophe. D'ailleurs, ils sont plus beaux, ouais. Je comprends pas pourquoi. Oui, ils sont chromés. En fait, c'est des fulgores chromés. Ils sont super beaux. De ouf. Ils sont tunning. Et comme Arya, c'est la présidente d'Ultratech et qu'elle fait des fulgores et puis des Riptors, je veux dire, c'est magnifique philosophe de Star Wars C3PO qui a dit des machines qui créent des machines juste au ciel. Voilà. 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 C'était très intéressant. Ouais. Alors, franchement, Arya, déjà du point de vue background scénaristique, c'est vraiment un personnage très très intéressant. Surtout que, bon, Arya, tu la vois, tu lui dis pas bonjour, je viens pour un contrat. Non, tu lui. Non, ah bah, on l'a vu avec Cinder, hein.
Ouais, le mec, voilà. Il est venu, il a fait bon, c'est toi le projet Cinder, ou alors tu décèdes. Voilà, c'est ça. Par contre, moi j'essaie de comprendre pourquoi elle en veut à Kanra et à Aghanos, elle en parle pas, parce que Aghanos c'est un peu une aberration. Aghanos, c'est pas un être humain. Aghanos, c'est une création humaine, mais c'est pas un être humain. Ouais, mais il est en fait, Aghanos, c'est comme une Aria, mais des temps ancestraux au final, parce qu'il a sa propre intelligence artificielle, ouais, et il pense de lui-même. Ouais, mais Aria, elle est programmée pour faire évoluer l'être humain. Le reste, elle en a rien à foutre. Ouais, voilà. Et puis même Aghanos, Aghanos, il poursuit juste Kanra, sinon il dort à l'infini, tu vois. Ouais. Et en plus, Aghanos poursuit Kanra et Aria aussi, donc finalement l'ennemi de mon ennemi est mon ami aussi. Alors attends, tout bénef, quand tu dis tuer les gens à la ramasse humaine, ça discute la phrase d'Aria que Aria est la plus humaine. En fait, Aria, quand je dis qu'elle est la plus humaine d'entre toutes, de tous les êtres humains, c'est-à-dire que tout ce qu'elle veut, elle, c'est hausser l'humain au plus haut possible. Après, les moyens, est-ce que les moyens justifient, est-ce que la fin justifie les moyens? Ça, c'est une autre histoire. Mais après, en même temps, Aria, ouais, quand il disait que, quand on avait demandé si Aria était humaine, et que, c'est vrai que Iron Galaxy avait répondu, elle est pas humaine, quoique. Au final, vu que c'est une simulation de la vie, à proprement parler, c'est peut-être même la plus humaine de tous, quoi. Bah ouais, quelque part, ouais. C'est bon, juste après, que Aria, c'est... vous la mettez sur un parti français, elle fait partie du FN, hein, donc bon, voilà, quoi. Moi, ça me rappelle les vieux plans machiavéliques des méchants ou des extraterrestres méchants où genre ils disent on va détruire toute l'humanité pour refaire une bonne humanité, tu vois, notre image, tout ça, tu vois. Moi je vois, ouais, un peu comme ça Aria, tu vois, c'est il y a tellement de guerre, tellement de corruption, tout ça, nanana, que la meuf elle va allez, on baille et tout, on recommence là. Hop, c'est bon, Evangelion, quoi. Mais le truc c'est que en fait on sait pas exactement comment Aria a été créée. On sait qu'elle a été créée par un mec, on sait qu'elle a été créée à telle période, mais on connaît pas, les moyens de conception. Le professeur, là. Si, on sait qui c'est, on sait quand c'est, mais on sait pas comment c'est. On sait pas comment elle a été créée, hormis... je parle du point de vue de algorithme, quoi. On sait que c'est des technologies, on sait que c'est une femme, etc. Mais, point de vue algorithmique, on ne sait pas qu'est-ce qui est ancré dans le programme Aria. Ouais. On ne sait pas comment elle pense, entre guillemets. Ah oui. Ah bah ça, il faut demander au mec qui a créé Farming Simulator, hein. Ça, c'est mais le non, mec. Mais en fait, je pense qu'à la base, Cinder, c'était ça qu'il cherchait quand il cherchait des réponses sur Aria. Qui c'était, en fait Ah oui, parce que du coup, les autres dirigeants concurrents d'Ultratech, ils savent pas que... Bah, Ultratech de base est pas connu, quoi. Ultratech, c'est un mot dans un paragraphe d'un journal geek à la limite, quoi. Donc, Ultratech n'existe quasiment pas, quoi, dans le monde de qui vient ici. Bah, un peu quand même. Bah, un peu à cause de. Un peu, je veux dire, pas nous, genre si on est dans le monde de Killer Instinct, genre nous, pauvre peuple qu'on est. Pauvre putain de salaud d'humain qu'on est, nous on n'est pas au courant, tu vois, mais c'est quand même Ultratech, c'est quand même une